Et salut tout le monde, ici Réa, de retour sur Axiom Verge pour la suite de nos explorations. Nous avons encore un tout petit truc à vérifier dans cette région, et après nous avons encore deux zones complètes, quasiment vierges, inexplorées. Autant dire que là nous sommes actuellement dans une phase où on n'est pas exactement bloqué, hein. On a vraiment tout le choix du monde. Ça va être bien difficile de s'en dépêtrer. Pour voir par où aller en premier. Ça va, ça. Là, typiquement, avoir une arme qui arrose, c'est bien pratique contre ce genre d'ennemis. Vu qu'on touche tout le monde en même temps. C'est de la corruption niveau 3 qui fait assez mal. Et je ne décrypte rien dessus. Donc je n'ai rien à y gagner. Maintenant le plan c'est de se rendre à une station de sauvegarde. Vite fait bien fait. Avant de s'engager dans les nouvelles zones. Parce que je n'ai pas de mémoire de... vu la moindre station de sauvegarde dans aucune des deux zones. Bon, la deuxième, je l'ai vraiment pas explorée, mais la première, j'ai quand même couru pendant un certain temps et je n'ai rien vu. La station de sauvegarde la plus proche, c'est celle-ci, je crois. Curieusement, c'est celle du début du jeu. Voilà qui est fait. Maintenant. Alors, les passages sont de toute façon plus bas. Donc, nous allons descendre. We need to go deeper. La question du coup c'est est-ce que je fais cette zone là ou est-ce que je fais l'autre? La carte, hein. C'est soit celle-ci qui a des ouvertures vers le haut, vers le bas. Ça a l'air d'être une zone de transition entre pas mal de trucs, mais il y a l'air d'avoir quand même un ou deux petits passages, genre j'avais vu un power-up vers le milieu, etc. Et il y a des têtes un peu cheloues si on est au milieu. Et puis il y a cette zone là. Qui est quand même assez mystérieuse et je crois que je vais commencer par celle-ci. Je crois que je vais commencer par celle-ci et voir un petit peu ce qui s'y trame. De toute façon, à un moment, il faut bien faire un choix. Et ne connaissant pas le jeu, ce choix donc est arbitraire. Plus, ça me permet un peu de profiter d'une musique que je ne connais pas encore. La bande-son de ce jeu est très honnête, très agréable. Est très effacé ici par contre, assez calme. Station de sauvegarde? Non. Ça fait vraiment machine par contre. Hein. Ça fait vraiment machine et ça a l'air totalement insensible. Est-ce que je peux seulement monter dessus? C'est une espèce de plateforme mobile des temps anciens. Enfin, des temps anciens, ça a l'air vachement moderne, mais... C'est curieux. De toute évidence, il me manque quelque chose ici pour passer.
Peut-être qu'il y aura d'autres codes de décryptage pour le sous-marin maintenant que j'y pense. Journal disait quoi? Le sous-marin est anglais. D'accord. Ça marche pour le sous-marin moderne, mais ça ne marche pas pour le langage de programmation. Sur quelques textes anciens. Contre la variante GearTab, je me demande si j'en ai pas déjà. Qu'est-ce que c'était que ça? Très étrange, je n'ai rien vu. Peu importe ce que tu fais. Bah oui, sois vigilante. On sait pas exactement comment elle nous observe en fait. Penser un peu à certains Metroid. Il y a des clones de Samus qui se baladent. Ils sont généralement plus puissants et il faut les fuir en début de jeu. Là, oh, c'est bien préférable qu'on ait une station de sauvegarde un peu. J'aime beaucoup la couleur. Ah, il est là-haut. Faut que je trouve Ophélia au plus vite. Oh, et là, l'arrière-plan est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, l'effet graphique, c'est dû à la chaleur, il semblerait. Et eux, ils me font penser un petit peu au drone à hélice, là, au truc à hélice dans la zone extérieure. Avec leur espèce de pendule. Pas moyen de passer par là, c'est curieux. J'aurais pas dû. J'étais pas prêt. Oui, il commence à faire assez chaud ici. Le pathogène d'Atetus commence à faire son effet. Je crois qu'elle est proche, elle peut te soigner, c'est de garder ton calme. Merci Tetos, Yatus Nova. Oulala, ouais, c'est pas bon signe ça. C'est marrant que je le touche pas lui en fait. Ah, la santé, ça fait du bien. Je commençais à avoir un peu de mal en fait. C'est pas du tout rassurant tout ça. Le crâne qui part là. Des hallucinations dans les murs, en effet, c'est pas particulièrement rassurant. Oula. Ça, c'est un peu les icônes de boss, en fait. Si je dois combattre un boss dans cet état, je ne donne pas cher de mes chances, surtout vu mes PV. Il y a une zone de transition à côté, là. Ah ouais, c'est juste qu'il y a un gros mur devant.
Ok, ça c'est un... C'est un ennemi à l'apparence invulnérable. Il ne peut pas corrompre d'ailleurs. Donc... Il faut juste que je le bait puis que je saute pour en esquivant son attaque. Je peux peut-être sauter sur lui d'ailleurs. Non, je ne peux pas sauter sur lui, c'est un problème. Comment je suis censé passer là? Non. Cette séquence, elle est pas gentille avec moi. Elle est longue, j'ai vraiment pas envie de mourir, sauf que là j'arrête pas de prendre des dégâts. Pas beaucoup, mais les petits dégâts par petits dégâts. Et là à chaque fois ce petit saut. Ce petit saut me coûte très cher. Passer. Ouais, c'est dur ce passage là. En plus j'ai l'impression qu'ils arrivent trop vite pour que je puisse les éliminer. Oula, me dites pas que j'ai vraiment un timer parce que j'ai l'impression que l'illusion de chaleur est de plus en plus intense. Ces trucs là font très mal, donc je vais meilleur temps de les esquiver, mais on va juste faire ça hein. Ou alors c'est qu'en fait l'effet augmenté. Et... qu'est ce qui se passe si je pars par là? Ok, je peux pas passer en fait puisque j'ai pas d'appui pour passer à travers le mur. Ok, nickel. J'aurais pu passer en sens inverse d'ailleurs et je suis en train de me dire que c'était peut-être une autre des voies d'accès disponibles. Bien, ça a l'air pas mal contre. Ça a l'air de faire assez de dégâts pour... m'épargner beaucoup de souffrance. Je ne sais pas au final, là contre eux je sens qu'ils sont plus durs à toucher. Peut-être que cette arme est le bon choix. Par contre j'essaie trop d'esquiver leurs tirs alors que je vais me concentrer sur leur annihilation pure et simple. Allez, on passe. C'est-à-dire en restant immobile, il y a beaucoup de tirs que je me prends que je pourrais éviter. C'est la visée à ce stade qui est plus délicate. J'ai
déjà plus de PV quoi. J'ai pris beaucoup plus cher sur ces ennemis. Habituellement, je ne sais pas. Je dois pas avoir la bonne arme. Dans ce jeu, des fois, quand on a des problèmes comme ça contre des ennemis, c'est qu'on n'utilise pas la bonne stratégie ou la bonne arme. On repasse au disrupteur déjà pour celui-là. Voilà, comme ça il peut pas faire demi-tour et se mettre à me rouler. Hop, et là on passe vite fait. Ça c'est sympa, mais ça je sais pas à quel point c'est efficace. Ça c'est un peu trop short range à mon goût. De manière générale, les armes à courte portée sont pas la meilleure idée contre ces trucs là, j'ai l'impression. J'ai perdu la moitié de ma vie sur ce truc là, essayer de l'esquiver. En même temps c'est très dur de faire des tirs en diagonale sans rester immobile. Ça c'est le défaut des contrôles de jeu. Contrairement à un Metroid où appuyer sur la gâchette permet d'incliner son tir directement sans rester immobile. Ici la gâchette ne permet que de verrouiller sa position. Et faire un tir en diagonale en se déplaçant, bah il suffit de pas appuyer sur la gâchette, mais du coup c'est difficile d'être précis puisqu'on se déplace en même temps. On peut pas se déplacer par à coup, on peut pas faire ça et se déplacer par à coup en fait. Faut appuyer, relâcher la gâchette, enfin c'est pas pratique du tout. Par contre je ne comprends pas que j'ai réussi à passer crème la première fois, alors que j'avais déjà des dégâts à cause de ces espèces de trucs, et que maintenant ça ne passe plus du tout. Un peu d'expérimentation va être nécessaire avec les armes, parce que là c'est juste pas possible en fait avec vos ranges. Ça c'est bien gentil, mais ça va jamais faire le taf. Rien du tout. Hein. Ça fait des dégâts, mais ouais, si je regagne les PV, je vais pas en plaindre. Ça, ça a pas l'air si mal quand le gros tir touche en fait. Ça a l'air de faire d'assez gros dégâts. Si j'arrive à bien le cibler, c'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'une fois de plus, si je récupère pas de PV sur eux. Ça a l'air bien aussi une fois qu'ils sont en vol stationnaire dessus. J'ai juste la portée pour les dégommer. Il lâche énormément de santé aussi, ça c'est le côté positif. Je crois qu'il y en avait un juste là en fait. Je suis déçu d'avoir perdu autant de PV du coup sur Ah, en jouant avec le plafond, ça passe bien ça. Du coup, on en vient là. J'ai pas les corrompre. Par contre, je peux leur miner le visage, et ça c'est bien, surtout le premier en fait.
va revenir sur vos rangs. Ça c'est bête. C'est encore des dégâts stupides. Non, j'ai pas la porte. Je me rends compte que ce soir je pouvais le faire sans grappin et du coup j'ai oublié qu'il me fallait le grappin pour l'autre. C'est bête mais il me coûtait assez cher. Voyons voir. Mine dans le mur, rien à faire. Si je peux faire la même à celui-là pour plus tard, pour les PV en fait. C'est bien passé et je suis full PV donc je vais pas forcément m'embêter beaucoup. Ah oui, j'ai bien fait de partir tôt. Oula. Ouais mais là. Ah le truc qui vient s'accrocher à moi et qui m'attaque, je l'avais pas calculé. Bon, et ben la suite dans le prochain épisode, je suppose. Je pensais être arrivé, puis en fait, non. Enfin je pensais avoir passé un passage, les passages les plus difficiles, mais là le passage juste au-dessus là avec le petit truc qui vient s'accrocher à toi, si jamais j'ai pas moyen de le dégommer avec une arme contre portée ou autre. Je sens que ça va beaucoup m'embêter. Et l'espèce de créature blanche aussi m'intrigue pour le coup. Tu es très proche, ne décourage pas. Ouais, enfin, je sens pas trop. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. La difficulté continue d'augmenter petit à petit. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour de futures aventures sous Axiom Verge. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.